Blablabla, vous et bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Neguchi et aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est Cities Skylines. En même temps, la plupart du temps, je ne fais que du Cities Skylines sur ma chaîne. Je rassurez-vous, certains me l'ont demandé, mais il va y avoir d'autres jeux, c'est juste que j'ai besoin d'un peu plus de matériel. Vous verrez bien quand la vidéo sortira. Mais revenons à notre sujet. Alors, j'ai un petit peu changé la manière de faire les transitions avec les timelapses. J'ai cannibalisé l'animation que j'avais fait pour la vidéo bonus, alors j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, dites-le, sinon bah, je la retirerai. Et sinon, à part ça, on va continuer le petit village donc sur les hauteurs. Alors j'ai commencé à faire, vous voyez, quelques petits champs timelapse, et rassurez-vous, ils sont pas finis, c'est normal, ils vont se structurer en fait une fois que j'aurai commencé à faire les premiers faubourgs, voilà, qui vont être ici les faubourgs du village. On va peut-être faire ici les premières maisons vers celui-ci. Ici sur les hauteurs, j'ai prévu de faire un petit château fort. Alors oui, je sais, il y en a beaucoup qui en fait, mais quand même je vais le faire le mien. Je n'ai pas encore le plan en tête, je n'ai pas encore décidé comment je vais faire, donc ça viendra avec le temps. Et ici, je voulais faire une petite ferme, donc les faubourgs ici, peut-être le terrain de football classique que l'on trouve par ici. On va faire ça tout doucement. Alors, on va commencer immédiatement par notre chère ferme. Voilà, on va tirer une petite rue de cette manière. On installe la maison. Hop, on va mettre deux choses comme ça pour faire comme pour les, comment dire, les équipements de ferme, en fait, tout simplement. Et ensuite, on va popper... bah, tout simplement la délimitation de la ferme. Alors on n'a pas de corps de ferme, de murs de corps de ferme, je trouve ça assez dommage. Enfin, je pense que malgré tout, peut-être qu'un de ces quatre, un modeur prendra son courage à deux mains et nous fera quelque chose de magnifique. Mais en attendant, bah, on fait que ce qu'on a, comme toujours. Alors on met ça, bam, voilà, on mettra, on va y mettre, comment dire, un... bien y avoir un buisson, voilà, un buisson assez gros de cette manière, voilà, hop, on cache en fait le fait qu'il n'y a pas de séparation en ce moment. Alors excusez-moi si je fais beaucoup de E ce soir, je sais pas pourquoi, je n'y arrive pas, ça ne vient pas, voilà, c'est le débit verbal qui d'habitude est assez bien, aujourd'hui franchement ça vient pas, ça ne vient pas. Alors voilà, ouais, comme ça serait pas mal. Hop, normalement les autres... Alors, paf, non, tu veux pas? Oui, non, oh. Ouais, c'est tout, on va te mettre on va te mettre comme ça, voilà. Quand ça veut pas là, ça va avec l'autre. Hop. Voilà, pof. Voilà. Alors, hop, directement un incendie. Et non, je vais pas mettre ça. On va mettre plutôt comme ceci. On va... Voyons comme ça se passe. Non, je sais ce qu'on va faire. On va retirer ça. Et ensuite, on va plutôt... Alors, on va mettre ça comme ceci. Voilà. Hop, voilà. Ensuite, la maison comme ça, elle est très bien, mais on va rajouter quelques petites choses. On va mettre, voilà, une petite... quelques buissons de séparation, voilà, c'est très bien. On va regarder ce que l'on a au niveau... Ah oui, je sais, on va faire un petit poulailler vite fait, vous allez voir. Les grilles de soldine, en propre, je les ai pas, elles sont toutes normalement par là-bas. Voilà. Alors, on va le mettre ici, tenez, tac, tac. Tac. Hop. Hop. Voilà, normalement, j'ai aussi un propre de porte. Attends, on va installer. Voilà, regardez, devant la maison, enfin, derrière la maison, comme ça. C'est pas mal, vous voyez. On peut même rajouter un petit bac à sable pour les enfants, voilà. On va dire que c'est des céréaliers. Ce monsieur est un gros céréalier, donc il a une grosse exploitation et il peut se permettre de construire ça pour ses enfants. Hop là, voilà comme ça. Et à l'intérieur, ce que l'on va installer, si j'arrive à les retrouver. Non, où est-il? Je sais qu'elle doit être dans le secteur normalement. Et je me rappelais où c'est que je l'avais mis, où c'est qu'elle était rangée, mais là c'est... Non, ça... Va falloir que je teste... Voilà. Tac. Ça peut donner, voilà, l'image d'une... quelque chose pour les poules, voilà. Un petit poulailler. Pas mal, pas mal. Et ici on va mettre quelques petites encore... Voilà, tunnel de PVC, hein. Voilà. Ensuite... on va remettre en chemin, voilà, tac, voilà, hop, on fait ça comme ceci, on retourne dans les propres, ils sont pas là-bas, non, non, c'est de l'autre côté, ce que je veux utiliser, voilà, hop, voilà, sort de petit hangar. On peut remettre ceci comme cela, voilà. On va utiliser là plutôt les textures appelopées au sol, gravier, voilà. Toc, comme ça. Et on va installer... Ah, il est par là-bas. Non, il est de l'autre côté. Si je me souviens bien, voilà. Hop. Une petite moissonneuse. Donc voilà, moi je la trouve sympa cette petite ferme. Maintenant on n'a plus qu'à un petit peu habiller comme toujours en végétation. Voyons, on peut mettre quelques fleurs. Voilà, autour de la maison. On rajoute un petit peu de végétation comme ceci. Voilà. On rajoute quelques buissons derrière, histoire de... Pareil ici, voilà. On peut mettre des petits arbres. Tenez, celui-ci est très bien. On va en mettre un autre là. On n'oublie pas de relier comme ceci, voilà. Voyons voir ça. On va retirer la texture de béton qui est très moche. Alors pour ça, c'est très simple. Vous prenez gravier un par, voilà. Vous la faites poser ça, vous voyez où c'est que ça pose au niveau de ça. Et vous la posez comme ça. Ça fait disparaître la petite dégueulasserie de béton comme ça. On peut peut-être même rajouter encore quelques petites choses. Voilà, on va mettre quelques... Histoire de, voilà, des ballots de paille un petit peu par ici, tac tac, voilà. Non, non, on va pas les mettre les uns sur les autres, voilà, hop, comme ça c'est très bien. On va mettre des arbres, encore des arbres, on va mettre cela, voilà, regardez, ça va très bien. Voilà. On va même en rajouter... Ouais, on va les rajouter le long de la route. Ça va être très bien comme ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Et là, on va donc refinaliser le champ de cette manière. Alors, la grille, voilà. On va prendre par 8. Il est où par 8? Le voilà. Merci. Là, hop, là on va être obligé d'utiliser le par 4, hop, hop, voilà, Et voilà, moi je la trouve pas mal comme ça. Alors, ensuite, peut-être on peut encore ajouter un peu de végétation, je dis ça, on va peut-être mettre un petit buisson, voilà. Par ici, un autre par là, voilà. Moi ça me semble pas mal. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de matériel agricole, du genre des tracteurs ou des cuves ou des choses comme ça, par exemple une cuve à lisier ou une cuve à carburant, des choses comme ça. Mais pour le moment, on peut, voilà, je la trouve pas trop mal du tout cette petite ferme. Alors, ensuite j'avais dit qu'on allait commencer à s'attaquer donc au zoning des faubourgs. Alors on va mettre une petite maison, voilà, par ici, on va en mettre une là, on va en mettre une par ici, voilà, une de l'autre côté. Pareil là, pareil ici. Ah, et voilà, il y a un petit truc que j'avais vu, maintenant je n'ai plus, le toggle zone n'est plus obligatoire. C'est maintenant, avec, voilà, avec le no pillar mode, ça, vous pouvez directement empêcher, voyez, le zoning, directement avec le no pillar mode. Alors, ça reste, voilà, ça permet encore un petit peu plus de limiter en fait les nombres de modes et de soulager un peu les PC quand même malgré tout. Alors on va lancer la simu. Est-ce qu'on peut on pourrait en mettre tout? Je suis en train de réfléchir. Là on a ça, on pourrait peut-être retourner. Enfin, oui, on va plutôt supprimer ça. Voyez, hop. On va reprendre la rue, on va remettre ça, on va reprendre en forme libre. Et on va en faire une petite comme ceci. Voilà, c'est très bien. Et justement, on va finir avec... Voilà, une... Voilà, je trouve un petit truc. Alors, on va faire comme ça. On va relier les deux... On va faire comme si elle continuait par là, voilà. C'est bien, voilà. Puis, et justement, voilà, là on va avoir le chemin de gravier qui montera jusqu'au château. Moi je trouve que ça va être pas mal comme ça. Ça va être pas mal du tout. Et voilà, et en plus on va pouvoir, voilà, je retourne pas mal sur mes pattes. On reprend l'outil. Et est-ce qu'on peut, on peut délimiter un champ comme ça, voilà. Pas mal, ouais. Peut-être ici avec une petite zone maraîchère ou un élevage encore ici, un autre champ. Enfin, là je mettrai pas de vaches, mais juste comment dire une zone comme ça où le fermier, enfin, vient mettre encore quelques-uns de ses animaux. Et voilà, non, c'est pas trop mal. Là, c'est pas mal du tout. Alors relançons la simulation, on va remettre encore quelques petites... Et j'ai oublié, voilà, de remettre en zoning classique. Hop. Oui, si je mets... Voilà. Hop, on remet correctement. Voilà, parfait. On replace quelques maisons. Voilà, là on a les maisons, vous voyez, les maisons au bout du village. Et on va attendre que ça pousse. Mais comme voilà, j'ai une demande assez basse, voilà, je vais malheureusement voilà, utiliser ce mode. Voilà, j'ai cette demande qui va me permettre donc de monter la demande pour faire le quartier. Voilà. Sinon je pense que c'est pas très intéressant d'attendre que tout pousse comme ça naturellement. Ouais, on peut peut-être... non, ça me semble pas mal là. On va peut-être mettre une par ici. Une autre ici. On va mettre une par trois. Ouais, comme ça. Les petites maisons poussent, c'est parfait. Voilà, voilà, ça pousse bien. Et une fois donc qu'on aura fait ça, quand elles auront un petit peu poussé, on va commencer donc à habiller tout simplement tout autour. Alors pour ça, je vais pas utiliser, comme je le fais habituellement, mes buissons. On va plutôt utiliser les propres pour cela. On va par exemple mettre, voilà, on va commencer par ici. Hein. Voilà. On va dire que c'est quand même une zone avec pas mal, voilà. Hop. Voilà. Hop. Et non. Hop, voilà, plutôt comme ça. Hein. Ah, et j'ai du mal ce soir. Voilà. Là, pareil, on va... Hop. On va dire qu'il y a un beau terrain quand même derrière. Là. Hop. Et comme ça coûte cher de faire des un grillage tout le long, à l'arrière c'est plutôt du chainlink qui est beaucoup moins cher. Voilà. On va mettre celle comme ça, voilà. Ouf, hop là. Le problème des propres, c'est qu'on peut pas forcément placer parfaitement comme on veut. On est un petit peu limité en fait à des problèmes de placement du fait qu'il considère ça comme un arbre. Il ne prend la position que d'un point A et il n'égalise pas tout, ce qui fait voilà qu'on a quelques petits problèmes d'élévation. Mais c'est pas grave. Moi, je suis pas sûr du tout là. Non, non, c'est moche. C'est... Là non, je suis pas fier, ça c'est moche. C'est même relativement moche ce que je viens de faire. Alors là je vous dis, c'est pourtant ça a bien fonctionné dans mes... On va plutôt commencer par ici, ça sera plus simple. J'avais fait de belles choses lors de tests et là je sais pas, ça va pas. Hop, on va plutôt mettre la vallée de la pierre. Alors, j'en ai des par... non, plutôt plus petit, s'il te plaît, plus petit. J'en ai normalement des plus petits. Bon, non, j'arrive pas à les retrouver. Bon, c'est tout, on va faire avec. Voilà. Hop, voilà. Vous voyez, ça, comme il prend sur un seul point, il ne n'égalise pas, ce qui fait que voilà, on a des petites choses comme ça qui sont pas forcément superbes, mais bon, on fait que, comme on dit, on fait que ce que l'on a. Voilà. Alors comment je vais faire ici? Ah oui, je sais. On va faire comme ça. Hop, voilà. Voilà, on va faire comme ça, ça sera très bien. Hop. Ici, on relie. Voilà. Alors... Il faudra que je teste quelque chose un peu plus tard sur le force zoning et en même temps en fait de faire en collapse. Ça devrait fonctionner. Vous savez quoi, on va essayer ça tout de suite. Voilà, overlap. Hop, hop, hop. Force zoning. Est-ce qu'il est capable de garder les deux propriétés ensemble? Eh ben non, non. Non, il peut pas. Donc c'est soit ça, soit là. Le problème de le mettre en overlap, c'est que ça supprime en fait la possibilité de zoner à proximité, ce qui est un peu chiant. Bon, on en fait comme on peut, voilà, hop. Ouais, pas mal. On va continuer ici. Voilà. Hop. j'aime pas. Bon bah c'est tout. C'est pas mal. Moi là c'est pas trop mal. On va habiller encore comme d'habitude avec de la végétation tout autour. Là il faudra que je pense à retirer ce mode qui ne me sert en fait pas grand chose. Hop là, peut-être un peu trop, quelques petits pas comme ça. Ça, ça ira mieux pour au niveau des maisons. Voilà. Pas mal. Alors, attaquons-nous donc au faubourg de la Méa. On va mettre comme d'habitude de la végétalisation. Alors, on va mettre aussi comme c'est, voilà, c'est dur. On est plus en campagne ici, on va installer un petit jardin dans le fond, voilà. Tac, tac, tac. Oh non, ça fait plus. Voilà, on va mettre 2 rayonnages et puis on va plutôt en mettre. Voilà. Faut oublier que c'est là c'est du jardinage, donc c'est pas à but lucratif. Hop. On a voilà des petits chemins de pierre que j'ai téléchargés qui sont très très bien, je trouve, voilà. Hop. Voilà, est-ce que on peut installer quoi d'autre? Allez, on retourne dans le devant. Normalement on doit peut-être avoir des je ne sais pas, on va voir. Ah voilà, non, oui, qu'est-ce qu'on a au niveau habitation? Voilà, on peut y mettre une petite niche, voilà. Hop, tenez, tac et tac, voilà. On met ensuite un arbre. Qu'est-ce qu'on peut me laisser comme arbre? Un joli petit arbre. Ah, voilà. Ici on met quelques petits buissons bleus. Voilà. On peut rajouter pas de bambou. Ah, voilà. Un autre arbre comme ça. Et puis voilà. Alors ici, on peut dire pareil la même chose. Là, on peut mettre un petit barbecue là, dans le fond du jardin, comme ça, tac. Un petit peu, on peut y installer pareil une petite table. On va plutôt mettre celle-ci, voilà. Tac. Là, on va y mettre une petite piscine dans le fond, voilà, dans la descente ici, tac. On a des jolies, voilà, des jolies petites places comme ça qu'on peut placer. Pareil, qu'est-ce qu'on a d'autre là? On peut mettre, voilà, on va. Eux, ils ont des enfants, ils leur ont acheté une jolie petite balançoire, paf. Pareil, on va mettre un peu de, pas trop de végétation comme ça, hein. On va mettre un arbre ici, un autre ici, voilà. Quelques petites plantes comme ça. Et quelques fleurs, voilà, le long de. Voilà. Et là on va peut-être pouvoir installer aussi un peu d'herbe comme ça, voilà. Histoire d'avoir du gazon. Ah voilà, on va continuer à habiller par ici aussi. On va refaire la même chose. Là on va plutôt installer un joli petit jardin d'agrément. Hein. On va mettre quelques petites. Voilà, une jolie petite. Voilà, pour séparer un peu les maisons. Hein. Ici, on va mettre un gros arbre, voilà, ici dans le fond. Là, on va mettre une jolie bordure de fleurs bleues. Comme ça. On va retourner dans les propres et on va installer ici un truc pour les enfants. On peut mettre quoi d'autre? Alors on va mettre quelques fleurs rouges le long d'ici, voilà. Ah, il y a un petit arbre. Voilà, quelques arbres ici. Et là pareil, qu'est-ce qu'on va pouvoir installer? Là on va mettre justement quelques petits buissons, histoire de... voilà. Comme ça. Lui il a un petit peu moins de moyens, voilà, c'est... On a une maison un petit peu plus petite, on va mettre ça comme ça. Est-ce qu'on peut mettre ça? On peut installer ici. Je me tâte. Voilà, petite... Voilà, regardez ce que l'on a au niveau des... Lui, il est un petit peu plus écologique, donc il a installé 2-3 panneaux solaires dans sa maison. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on peut mettre quelques déchets dans le fond. Voilà, c'est le... Il a un petit peu moins de moyens que les autres, on va dire. Voilà, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah voilà, on va remettre une... Il en a déjà une niche. C'est pas trop mal. En fait, c'est la petite, voilà, c'est la petite maison classique. Donc ça se fait bien. Alors lui, là, on va mettre un beau terrain. Alors là, pareil, on va reprendre. Voilà ici. Hop là, on va prendre lui plutôt. Non, on va rester sur la pierre pour le moment. Voilà. Hop, parfait. Hop là, lui au contraire, il a un assez grand terrain, donc on va plutôt utiliser le chainlink derrière. Alors, est-ce que c'est... Voilà, le chainlink. Voilà. Et bon, les autres, ils sont par là-bas. C'est assez impressionnant le masse de frappe que je commence à avoir. Voilà, parfait. Et voilà, nickel. Et pareil, on habille un petit peu. Alors, lui, bon, on va mettre une petite piscine dans le fin fond. Voilà, on va mettre celle-ci. Voilà, parfait. On installe une jolie petite... Voilà, comme ça. On met deux petites... Voilà. On met un petit parasol, histoire de... On va relier ça avec... non, elles sont ici mes petites chemins de pierre. Allez, voilà. Tac. Voilà, à l'arrière de la maison. Alors lui, pareil, il jardine un petit peu. On va les mettre par ici, les petites salades, voilà. Voilà. On peut installer, ah bah tenez, des petites fleurs, comme ça je les avais jamais vues, normalement. Ah, où c'est que je les ai? Ah voilà, la petite cabane de jardin qui va bien. Ici on installe un petit truc de gravier, voilà, histoire de... Comme ça, c'est parfait. Normalement j'avais... non, ils sont ici, propres. Où est-ce que c'est? Bon, je vais arriver à la retrouver. La petite brouette... je n'arrive plus à la retrouver. C'est pas grave. Hop, un petit peu. Ah non, c'est semblerait-il que c'est cette facette à 7 qui provoquait le bug de la dernière fois. après plusieurs essais, c'est vraiment lui qui, à chaque fois que je le plaçais, que je passais au-dessus, ça provoquait ce joli petit désagrément assez chiant. Oh, c'est pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ben, on va mettre encore un peu de végétation, voilà. Un gros buisson comme ça. On va prendre les petites fleurs jaunes. Tac, 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 tac. Là, hop. Mettre pareil ici tout autour. Voilà. On va remettre ceci pour faire le gazon. Et voilà. Et pareil ici on va mettre des bûches pour faire un petit peu, vous voyez, sorte de séparation entre les deux derrière, voilà. Ah, c'est... il commence à prendre forme. Alors, moi je pense que vous avez compris à peu près le principe qu'il va y avoir autour de ces différentes maisons. Alors, je pense qu'on va s'en arrêter là pour cette semaine. Alors, de mon côté, je vais continuer à faire les faubourgs. Je vous donnerai un timelapse de ceci pour la semaine prochaine, tout simplement. On attaquera, comme j'ai dit, le petit village, véritablement le centre du village. Il faut encore que je télécharge encore quelques petits assets et que je modifie certains, ou alors je commencerai donc à faire le château. D'ailleurs, c'est vous qui allez voter dans les commentaires pour ceci. Ensuite, je tiens à remercier tous mes abonnés. On vient de dépasser les 600, les 650, les 950, j'en perds mon latin. Et à ce sujet-là, je prépare donc, j'en ai déjà parlé, mais je le redis maintenant, puisqu'on se rapproche vraiment du but. Pour les 1000 abonnés, je prépare une FAQ. Alors, vous pouvez me joindre et m'envoyer vos questions à l'adresse qui apparaît en bas de l'écran. Vous pouvez bien entendu vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos si elles vous a plu, bien entendu. Vous pouvez me suivre sur Twitter à cette adresse qui apparaît, où je poste des vidéos, des petits trucs, je parle des différentes vidéos, je parle d'autres choses, donc allez-y. Je crois que c'est tout, si j'oublie rien normalement. Alors on se dit à la prochaine fois et passez une bonne journée / soirée.